Salut la commu, abonnez-vous. Il y a un article qui est paru dans Le Monde. Jean Massier, Hugo décrypte, brut, comment des nouveaux producteurs d'infos captent les jeunes sur les réseaux sociaux. Regardez, il y a ma tronche. Là. Il y a ma tête. Donc Jean Massier, vous connaissez. Hein. Enfin, je crois que vous connaissez. C'est un mec qui fait des trucs. Voilà. Hugo décrypte, vous connaissez. Hugo le bro, évidemment. Et brut, brut, c'est le média de Rémi Buzyn, évidemment. Sur Twitch, YouTube et Twitter, les jeunes sont en quête d'une information condensée, instantanée et expliquée par des producteurs de contenu leur ressemblant. Je vous ressemble ? Pour cette enquête de terrain, nul besoin de monter dans un train, il n'a fallu que quelques clics pour changer d'univers. C'est un mercredi après-midi sur Twitch, plateforme de diffusion de vidéos en direct, que rendez-vous a été pris avec Le Monde et le streamer Jean Massier pour clore une journée spéciale consacrée à la, aux jeunesses françaises à l'approche de l'élection présidentielle. On avait interviewé des journalistes du Monde pour, qui avaient écrit des papiers sur la jeunesse française à l'occasion de la présidentielle, c'était trop bien. Je suis né avant la chute du mur de Berlin, l'URSS existait encore les enfants. Ironise Jean Massier, 33 ans, qui se présente comme l'un des dinosaures de la plateforme MDR. Appelez-moi Denver. Ok, retraité. T'as déjà vu Lénine ? Ouais, je l'ai interviewé dans Backseat, vous vous souvenez pas? Il est comment en vrai Jésus? Il est chiant en interview. Il fait que des paraboles et tout, très compliqué. Maintenant qu'il est établi que je suis un vieux, écoutez-moi les enfants, écoutez-moi. Afin de lancer la discussion, l'ex-collaborateur de cabinet de Marisol Touraine, entre 2012 et 2017, alors ministre de la Santé, interpelle son public pour savoir s'il s'y retrouve dans cette drôle de campagne présidentielle étouffée par le fracas de la guerre en Ukraine. Sur le chat, les réponses des jeunes fusent. Je pense que les émissions politiques à la télé sont faites par des boomers. Qui est-ce qui a dit ça? Dénoncez-vous. C'est qui le coupable? Ouais, vous finissez dans le journal Le Monde avec vos conneries. Avec son t-shirt imprimé. Bon, c'est un sweat, mais voilà. Et sa barbe de plusieurs jours. Je me suis rasé. Hein. Lové dans ce qui ressemble à son salon. Cheval à race, hein, comme ça. Avec des livres pour faire intelligent. Ouais, ouais, mais ça, c'est du décor, hein. Vous l'aurez bien compris, c'est pas des vrais livres. Hein. J'ai fait fabriquer ça par un décorateur. Parce que moi, je suis streamer, donc je suis un peu débile. Du coup, les livres. Voilà. Jean Massier a plutôt l'air d'un bon copain que d'un boomer du PAF. Alors le PAF, pour ceux qui savent pas, ça veut dire le paysage audiovisuel français. Toutes chaînes confondues, le PAF, les présentateurs, stars, et PAF le chien, exactement. Et PAF, ça fait des chocs à pic, exactement. Pif Gadget, tout ça, c'est bon, vous avez fait toutes les blagues, on peut enchaîner. Moyenne d'âge de sa communauté, 24 ans, avec 40% de 15-24 ans et 40% de 24-35 ans, et une large majorité d'hommes. Lui sait donc parler aux jeunes. Depuis 2017, il veut rendre accessible une actualité politique qui leur paraît souvent complexe et jargonneuse, allant jusqu'à... Jargonneuse, c'est un mot qui désigne... Non, je déconne, c'est bon, ça va, je vais pas vous prendre pour des cons non plus. Allant jusqu'à commenter pendant des heures les séances de questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale, façon la chaîne parlementaire pour les nuls. Alors, pas pour les nuls, pour les gens. Mais non, vous êtes pas nuls. Quand les journalistes du Monde vous demandent, vous leur répondez. Parfois, j'ai l'impression que ça parle de sujets qui me dépassent et dont je ne comprends pas les enjeux. Voilà. Je suis vexé. Car selon le 35e baromètre de confiance dans les médias publié en janvier 2022, comme chaque année, par La Croix, la rupture s'accroît entre la jeunesse française et le support de radio, télévision et presse écrite. Chez les 18-24 ans, l'intérêt pour l'actualité chute, passant de 51 à 38% en un an seulement. Cette désaffection s'explique notamment par une perception négative du traitement médiatique des sujets qui comptent pour eux. Ils sont 68% à estimer que le dérèglement climatique est maltraité. De la même façon, les adeptes de Twitch regrettent que les grands titres s'intéressent si peu aux jeux vidéo. Malgré le fait quand même qu'il y a des titres qui commencent à bouger leur cul, hein. C'est vrai, non mais c'est vrai, faut reconnaître. Pixel par exemple, le truc du Monde, je fais pas ça pour sucer Le Monde, hein, je les aime bien, mais Pixel ça fait des années qui grind petit à petit et qui propose un traitement sérieux des enjeux jeux vidéo qui sort de juste le traitement à la con qu'on a eu pendant des décennies, violence, addiction, sexe, drogue. Violence, alcool, drogue. Enquête sur le jeu vidéo et nos jeunes qui sont pervertis. France Info, ils commencent à le faire avec Jules Dequisse, heureusement qu'il est là, Jules putain. Les productions d'Arte aussi, ouais, à l'équipe, ils ont commencé à prendre le sujet hyper au sérieux, ils font un très bon suivi l'équipe. La télé c'est toujours pas ça. Hein. Dans un contexte où l'actualité est à la fois dense et dramatique, après 2 ans de crise sanitaire et face à l'urgence climatique, les 18-25 ans semblent bouder les médias dits traditionnels. À milieu d'un JT de 20h un peu suranné, peu coutumiers d'une presse papier qui salit les doigts de leurs grands-parents, plutôt avides de clics, de scrolls, de snaps... Où, quand, comment, avec qui s'informent-ils? Qui sont ces gens qui placent des pixels pendant 3 jours? Vous êtes la cause et la conséquence de la crise de la démocratie. Bande de cons. On est des losers, genre. Faudrait nous considérer en tant que tels. De quoi? Faudrait considérer les jeunes en tant que tels. C'est vrai que... C'est vrai. Ils sont pas très gentils quand même. C'est pas parce qu'on est un peu con qu'on n'est pas humain d'abord.
Sous cette carapace de gros con, il y a un petit cœur qui bat, d'accord ? Alors maintenant, vous arrêtez, hein. Je retourne placer des pixels. Je ne cherche pas, je prends ce qui vient sur Twitter et Instagram, décrit Léo Septier, 22 ans, étudiant en master d'écologie à l'université d'Angers, virtuellement rencontré, comme les autres jeunes interrogés, via la chaîne de Jean Massier. Salut Léo, merci d'avoir accepté de témoigner dans Le Monde. Big up à toi. Dans quelques jours, il participera pour la première fois à une élection présidentielle. Félicitations Léo. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter, dit-il. Je choisirai la personne qui place l'écologie en son centre, puisque c'est mon domaine. Donc sûrement le candidat écolo, mais j'ai oublié son nom. Je suis nul, il faut que je me renseigne. Léo, putain. Léo qui te choque devant la France entière. Ah mais Léo, en vrai, envoie-moi un DM et je t'invite à venir dans les coulisses de Backseat, ça me fait plaisir. Ce sentiment d'incompétence politique génère une forme d'illégitimité à aller voter, explique Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Panthéon à Sas. Le sentiment d'incompétence politique qui génère une illégitimité, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on lit à chaque fois que j'invite des invités de première partie sur Backseat. C'est un sentiment qui est profondément ancré chez beaucoup de jeunes. Dès le départ, Jean Massier a voulu s'adresser à des jeunes éloignés de la politique. Alors il faudrait que je l'imite Jean Massier, je sais pas comment... Bah, je suis nul en imitation, Usul il le fait mieux que moi. Les vrais saoulés, fatigués, dégoûtés, qui disent qu'ils s'en foutent alors qu'ils sont curieux. Énonce-t-il. Dans une démarche de vulgarisation, il explique la politique. Dans tout ce qu'elle a de plus chiant et d'institutionnel, sans sensationnalisme, jamais sous l'angle de la petite phrase. Son objectif pour les 150 000 membres de sa communauté, les décoincer, les réhabiliter, les autoriser à avoir un avis sans être complètement calé sur le sujet. C'est vrai, je le tiens. C'est pas mal, hein. C'est français. S'il s'agit d'être plus pédagogue sur le fond, ces nouveaux producteurs de contenu d'information réinventent aussi la forme, en étant présents là où les jeunes sont déjà. De TikTok à Instagram, en passant par Twitch, YouTube, Snapchat et Twitter, selon le format souhaité. Ils s'adaptent aux codes et aux outils de création de chacun de ces supports. Je voulais réagir sur un truc que je trouve intéressant. Ces nouveaux youtubeurs là, comme ce fameux Jean Massier, qui s'adaptent aux codes et aux outils de la création de chacun de ces supports. Je me suis toujours posé la question de savoir si notre rôle avec Hugo, avec Rémi, etc., c'était de nous adapter aux codes. Je suis pas sûr qu'on soit toujours adapté aux codes. Je pense qu'on en a inventé aussi des codes. Moi, j'assume le côté détournement de codes quand je me suis lancé sur Twitch en 2015 en disant je vais adapter les codes du jeu vidéo pour parler de politique et commenter en direct, etc. Mais maintenant, la plateforme a évolué. Non pas que je prenne mal le fait qu'on parle d'adaptation, mais qu'en fait, parfois, je me pose la question de savoir, mais en fait, on s'est pas adapté, on a été précurseur, donc on a inventé des codes, et on n'est pas dans le mimétisme. Hugo Travers, alias Hugo Décrypte, 25 ans, est maître en la matière. Unique source d'information pour quantité de jeunes, il arrose l'ensemble des réseaux sociaux de ses résumés d'actualité quotidiens, avec une lourde responsabilité, c'est vrai, et un débit mitraillette reconnaissable à des kilomètres. C'est Dieu sur l'Olympe, observe Anne Cordier. Vous savez qu'Hugo Décrypte, on n'a pas le droit de le regarder dans les yeux, hein. En tout cas, c'est Anne Cordier qui le dit, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine. Alors moi je suis un vieux dinosaure, c'est ça ? Je suis vieux ! Et Hugo c'est Dieu, ok. C'est pas parce qu'il a plus d'abonnés que... Mais bon... Non, puis en plus moi je suis plutôt ni Dieu ni maître, donc c'est bon. Il est emblématique de tout ce que les jeunes recherchent, une info condensée, instantanée, expliquée par quelqu'un de sympa. Il a une stratégie marketing parfaite, non sans fantasme. Son public a une impression de proximité et de spontanéité alors que tout est hyper préparé. Pour certains décrocheurs de l'info, Hugo, pour les intimes, permet de raccrocher les wagons. C'est l'histoire de Catel Cabon, 21 ans, qui regardait au moins le JT sur M6 pendant le dîner avec sa mère. J'apprenais des choses sans être sûr que ce qu'on me montrait était vraiment vrai, raconte-t-elle. Peut-être qu'on accentuait certains points pour faire peur. Je n'avais pas trop confiance. Lorsqu'elle est partie vivre seule à Nantes pour son BTS audiovisuel, elle a claqué la porte des médias. Je ne m'informais plus du tout. J'étais comme coupé du monde. Je me disais, est-ce que c'est si grave de louper des trucs ? Il y a 2 ans, au début de la crise sanitaire, Catel Cabon a voulu sortir de sa bulle. C'est là qu'elle a commencé à suivre la chaîne YouTube d'Hugo Décrypte. Une fois hameçonnée, elle a diversifié ses sources. De Jean Massier, merci Catel, ça me fait plaisir, à quelques reportages sur Arte. Et aussi les titres gratuits sur l'appli France Info. Je me méfie dans tous les cas. Précise celle qui hésite à voter pour Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon. Aucun média n'est neutre, il faut les prendre avec parcimonie. Pour Anne Cordier, l'enjeu est à l'heure démocratique. Il est compliqué de faire comprendre que l'objectivité des médias n'existe pas. Les jeunes font davantage confiance et se sentent moins manipulés quand ça semble à la cool. Streamers, youtubeurs et autres tiktokers jouent ainsi de leurs imperfections et travaillent leur naturel. Le sweat à capuche est le nouveau costard cravate de celui qui présente l'information. Eh, vous savez que c'est beaucoup de travail hein, pour paraître complètement à l'arrache comme ça. En fait, c'est du maquillage là, tu sais, vous me voyez parfois que j'ai des problèmes de peau. J'ai des rougeurs à côté du nez et tout, je suis mal rasé, machin, j'ai une coupe de cheveux qui ressemble à rien. C'est énormément de travail. En fait, à côté, il y a toute une équipe là de maquilleurs avec qui on fait des essais maquillage avant chaque live. J'ai une garde-robe avec une responsable des costumes d'ailleurs, avec qui on choisit avec soin le pyjama dégueulasse avec un gros trou de boulette dedans, le sweat un peu naze promotionnel que j'avais eu avec la fondation 30 millions d'amis. Voilà, ça se travaille le naturel. Hein. Le coiffeur qui graisse les cheveux. Ah ouais, j'ai un coiffeur qui graisse les cheveux, ouais. La proximité se traduit par une incarnation, mais je ne raconte pas ma vie, nuance Hugo Travers. Ça tient à l'approche qu'on a de notre travail avec une forme de transparence et d'horizontalité. Je peux dire qu'on n'a pas eu le temps de traiter tel sujet, assumer certaines erreurs, être à l'écoute des retours qu'on a. Tout cela joue sur la confiance. C'est vrai qu'Hugo, pour le coup, il est beaucoup plus dans la retenue que moi. Alors déjà que moi, je m'épanche pas énormément. Mais Hugo, il raconte beaucoup moins sa vie que moi. Idem pour Jean Massier.
Ah, il faut que je limite encore ? Je passe mon temps à me descendre d'un piédestal. Je leur dis que moi non plus, je ne fais pas de sport. Que moi aussi, je suis parfois largué sur l'Ukraine. La télé et la radio, ils trouvent ça fake, surfait et surjoué. De même que la posture des politiques et cette éternelle prime à la caricature. Avec nous, ils ont ce sentiment d'appartenance à une petite famille qui leur ressemble. Revendique le Twitcher. Alors on dit pas Twitcher, hein, ça je suis désolé. On a voté en Assemblée Générale d'Internet. Vous savez, avant de mettre des pixels là, on a voté et on a rappelé la règle. On dit pas Twitcher, on dit streamer. Je suis pas celui qui assiste le plus sur la commu. Hein. Je suis pas le streamer qui en fait le plus des caisses sur la commu avec les blagues internes à la commu. Alors si, on a des blagues à la con internes à la chaîne, c'est vrai. On a des emotes, on a des trucs débiles. Justement, je trouve il y a plusieurs communes qui regardent tes streams. Ouais, je suis d'accord avec toi. Perso, en arrivant ici, je me suis senti exclu comme d'autres streams auxquels j'ai dû m'adapter plus lentement. T'as oublié le pas. Ah, pardon. En arrivant ici, je me suis pas senti exclu. Ah, d'accord. Comme dans d'autres streams où j'ai dû m'adapter plus lentement. Il fait des erreurs pour faire croire qu'il est comme nous, mais il nous manipule, faites attention. Mais oui, en fait, c'est scripté. C'est scripté. Depuis tout à l'heure, en fait, j'ai un déroulé de l'émission que j'ai préparé ce matin avec chacune des blagues, avec le son là que je vous fais. Les imitations de voix. Ah, bah en fait, j'ai écrit ça. J'ai un monteur audio qui m'a préparé les assets. En fait, il y a une équipe de prod. Coupé, on peut la refaire. Donc du coup, j'en étais où ? Avec vos conneries là, putain, mais vous me déconcentrez, on est en train de lire un article, on est sérieux sur cette chaîne, c'est écrit dans l'article, c'est écrit dans Le Monde que c'est sérieux. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si ces producteurs ont tous eux-mêmes moins de 35 ans. Ils représentent des figures d'identification possibles, analyse Arnaud Mercier. Ce ne sont pas des Jean-Pierre Pernaut. Merci Arnaud, ça me fait plaisir. Il n'y a pas un écart d'âge tel qu'on n'arriverait pas à se comprendre. Et ça, je suis assez d'accord, hein. La proximité d'âge permet l'identification. Le média brut, créé exclusivement pour un usage sur les réseaux sociaux, l'a bien compris. Avec 14 millions de spectateurs touchés en France quotidiennement sur l'ensemble de ses plateformes, dont 70% de moins de 35 ans, le média 100% vidéo aimante la jeunesse depuis 2016. On essaye d'avoir une approche humble et directe, pas descendante, avec des jeunes journalistes qui ont une façon de raconter les choses qui touchent l'audience qu'on vise, explique Laurent Lucas, directeur éditorial de 45 ans. Dans sa rédaction, les journalistes ont 28 ans en moyenne et se concentrent sur des sujets qui résonnent auprès de cette génération, le féminisme, l'écologie ou encore la santé mentale. Sans faire de jeunisme, on a cette obsession de s'adapter en permanence aux évolutions des plateformes, mais aussi de la société, martèle Laurent Lucas. Une version 2.0 de la pensée emblématique du théoricien de la communication Marshall McLuhan, le message c'est le médium, écrivait le Canadien en 1964. Dans son économie de l'attention, Brut jongle ainsi entre des formats très courts ou très longs, sérieux ou légers, qui cohabitent avec leur contenu calibré pour les marques. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que pour le coup, j'en avais parlé avec des gens qui bossent chez Brut, dont j'en ai parlé avec Laurent Lucas, mais surtout avec Thomas et avec d'autres, c'est qu'en fait Brut, c'est un média qui a essayé à un moment de lutter contre sa propre caricature. Vous connaissez le format à la brute, le truc avec le sous-titre, l'espèce de truc rythmé, machin, etc. Ils ont littéralement, là encore, ils se sont pas adaptés à un format, ils ont inventé un format brut. Ils m'ont dit, tu sais, on est en train de travailler, de réfléchir à faire évoluer Brut de manière à arrêter de ressembler trop à Brut. Il y en a marre de ce phénomène d'identification. Il faut qu'on dépasse ça et c'est pour ça qu'ils ont lancé leur format de documentaire long avec l'extraordinaire Charles Villa qui fait des formats hyper longs, avec Rémi Buisine et ses lives aussi, c'est venu quand même un peu avant. C'est un peu intéressant cette volonté de Brut de toujours chercher à s'adapter et à pas rester sur un truc genre c'est bon, on a inventé un format, on est identifié, on focus là-dessus. Non, ils évoluent tout le temps. À tout juste 17 ans, le lycéen Matteo Ishak Bouchaki ne pourra pas voter à l'élection présidentielle. Cela ne l'empêche pas d'être suivi par près de 60 000 personnes sur son compte TikTok, La Politique de Matt. Qui a le meilleur programme concernant les droits LGBTQI+, les violences sexistes et sexuelles, le climat, face caméra, le bordelais décortique les propositions des candidats dans des vidéos d'une petite minute. J'avais envie de politiser les 15-20 ans qui ne le sont absolument pas, surtout sur TikTok, où ils peuvent tomber sur mes contenus par hasard. Cette logique du clic correspond à une consommation de l'actualité plus versatile et décousue, selon les termes d'Arnaud Mercier, dépendante des algorithmes des réseaux sociaux. Du rendez-vous fixe et organisé des grands-parents, le facteur vient chaque jour à la même heure avec le journal, les jeunes passent à une démarche moins volontariste et systématique. Ça se fait par à-coup sur son portable, dès qu'on a un moment de libre, selon les hasards des plateformes. Hop, je clique sur tel lien, puis sur celui-là, façon marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Illustre Arnaud Mercier. Non, je vais pas vous chanter la chanson, calmez-vous. Selle de cheval, cheval, cheval. Au risque d'obtenir une bouillie informationnelle, le pire côtoie le meilleur avec un contenu global très hétérogène qui peut porter à confusion. C'est le risque du snacking, comme on dit, où en fait, un contenu complotiste de merde, tu vas lui consacrer autant de temps et d'attention qu'un contenu derrière qui a été fait par des journalistes, etc. Ouais, je comprends l'idée. Ouais, il y a aussi des contre-exemples, hein, j'en parlais tout à l'heure, les formats longs, ça marche. Regardez mon stream, là, ça fait une heure et demie qui dure. Les formats longs, à sa manière aussi, il y a aussi des rendez-vous. Moi, j'ai une prog de la semaine, Backseat, c'est tous les jeudis à 19h30. Via Brut, Combini, Loopsider ou encore Blast, les jeunes restent friands de sujets qui mêlent divertissement et actualité. Il n'y a pas de raison d'isoler leurs pratiques par rapport aux autres générations. Nous sommes tous soumis à un flux, nuance Anne Cordier. Ça, je suis d'accord. La difficulté, c'est la réception fortement individualisée. Une info non accompagnée peut être mal reçue en matière d'évaluation, mais aussi de charge émotionnelle trop forte ou anxiogène. Ils ont besoin de médiation pour sortir de la boucle enfermante du scroll et trouver les clés qui leur manquent. C'est pour ça que je fais ma chaîne.
let's go. Jordan Ayash, 22 ans, est entré à l'école 42, dont le fondateur Xavier Niel est actionnaire à titre individuel du Monde, à Paris sans le bac. Et après plusieurs années de foyer dans le Vaucluse, d'accord. Au foyer, on n'avait pas accès à Internet, raconte cet as de l'informatique. Je lisais La Provence, que les éducateurs recevaient chaque matin. Aujourd'hui, il s'informe avec la revue de presse de Jean Massier. Let's go! Mais aussi grâce au réseau Slack de son école, qui a un canal pour le partage d'articles. Sur l'Ukraine, je suis confus, ça va trop vite, souffle-t-il. Parfois, j'ai envie de dire, pour que je comprenne, est-ce qu'on peut juste faire pouce? Voilà donc pour cet article de Léa Iri Barnegaret, article donc qui s'appelle Jean Massier, Hugo décrypte brut, comment des nouveaux producteurs d'infos captent les jeunes sur les réseaux sociaux.